Donc aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de pouvoir visiter les mines de sel de Lorraine. Moi, c'est une exploitation que je connaissais pas spécialement, vu que moi, c'est surtout le charbon qui m'intéressait jusqu'à maintenant. Mais bon, j'ai tendance un peu à m'intéresser à tout ce qui concerne la mine. Donc voilà, là, on s'en va aujourd'hui en Lorraine, du côté de Nancy. Allez, c'est parti. La mine Saint-Nicolas se trouve sur la commune de Varangéville. Elle est actuellement exploitée par la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, CSMSE. C'est la seule mine de sel GM en exploitation en France et la dernière mine profonde de France. L'exploitation se fait à 160 mètres de profondeur, à la base d'une couche de 20 mètres d'épaisseur. Cette exploitation se fait selon la méthode dite des piliers abandonnés. Des galeries horizontales sont creusées, suivant un maillage régulier de galeries perpendiculaires et parallèles à une galerie principale de convoyage du minerai. Les galeries ont une hauteur de 4,50 m et une largeur de 13 mètres. Il reste donc une épaisseur moyenne de 15 mètres au toit et des piliers abandonnés à base carrée de 29 mètres de section qui assurent un soutènement stable. Je suis descendu au fond par le puits Saint-Jean-Baptiste. La visite a duré environ 3 heures en passant par différentes galeries équipées de convoyeurs à bande qui transportaient le sel vers les silos de stockage, puis des chambres de stockage de 50 000 tonnes de capacité, puis enfin la visite d'un musée qui conserve du matériel authentique, des engins de chargement ou de boulonnage de diverses époques, depuis le locotracteur à troll électrique avec ses rames de berline, jusqu'aux chargeuses Joy, Wagner, Continental ou France Leader. Il y avait aussi des reproductions de coins casse-croûte des années 1950 avec des objets d'époque. Enfin, un film était projeté sur le fonctionnement de la mine de sel. Je n'ai pas obtenu l'autorisation de faire des photos au fond, j'ai juste pu faire cette photo dans le godet de cette chargeuse, comme tous les visiteurs de la mine. Le fonçage du puits commence en 1855 et la mine est en exploitation jusqu'en 1962. Les installations de surface sont progressivement démolies, sauf les installations autour du puits qui sont maintenues comme puits de secours et d'aérage pour la mine Saint-Nicolas. Ces chevalements se trouvent dans le vallon de la Roanne. De l'eau était envoyée dans les sondages en service, puis une machinerie protégée par les chevalements remontait l'eau salée, la saumure. Il reste un chevalement haut, celui du sondage 24, qui servait à descendre les tubes dans le puits. Un autre chevalement servait au pompage de la saumure. Ces deux survivants en bois sont abandonnés et méritent une préservation. La saline Sainte-Marie comporte également un chevalement en bois de sondage et d'extraction de la saumure, qui est une reconstitution à partir des restes de poutres de chêne d'origine. La saline Saint-Laurent a un puits d'extraction creusé en 1872 et en service en 1887. Le chevalement en place actuellement date de 1913. La mine a cessé son activité entre 1962 et 1965 et la plupart des bâtiments sont démolis. Il reste quelques bâtiments dont celui de la régie, les bureaux de la saline. Le puits est encore ouvert et entretenu par la CSMS, mais un projet de fermeture définitive est à l'étude. Un puits d'aérage se trouvait un peu plus loin, mais il a été démoli. J'ai acheté ces deux livres dans la mine de sel de Varangéville. Donc voilà, le témoin du sel.
Mémoire de Varangéville, témoin du sel, avec des anecdotes, des récits des derniers mineurs hein, de là-bas. Et après, c'est plus sur l'exploitation du sel dans le bassin de Lorraine, historique de l'industrie du sel dans la vallée de la Meurthe et du Sanon. Voilà.